Mesdames et messieurs, il est des moments particulièrement importants pour la vie d'une cité, et je pense que celui-ci en fait partie. C'est un temps durant lequel... Un petit réglage, c'est bon ? Vous m'entendez là quand je parle ? C'est bon ? C'est un temps durant lequel nous décidons de suspendre notre rythme quotidien pour reconnaître et honorer l'action des femmes et des hommes qui œuvrent pour faire de Terrasson une ville riche et agréable à vivre. Car oui, Terrasson est ainsi. Terrasson est riche de sa diversité. Elle est plurielle, elle est variée. Elle est parfois emportée et exaltée, mais elle est surtout unie. Cette union, elle le doit à ces femmes et ces hommes qui, comme elles, sont multiples et qui chaque jour agissent à leur niveau, dans l'ombre ou la lumière, pour que nous puissions dire que nous avons la chance de vivre là où nous vivons. Dans le milieu associatif, politique, professionnel ou tout simplement à titre personnel, je dois avouer que chaque jour les terrassonnaises et les terrassonnais me surprennent agréablement. Ils s'engagent, ils militent, ils donnent de leur temps pour faire en sorte que notre ville puisse rayonner et se développer. Mais il faut bien le reconnaître, certains décident de s'investir plus que d'autres. Ils décident de consacrer une large partie de leur existence au bien commun, à la chose publique, à une cause qu'ils considèrent comme essentielle, comme porteuse de valeurs, valeurs qui nous font cruellement défaut en ces temps particulièrement troublés. C'est le cas de Lucien Cournil, qui, toute sa vie durant, a décidé de servir et d'agir pour Terrasson et d'une manière plus large pour le terrassonnais. À la fois résistant, journaliste, homme d'engagement, ou encore défenseur de la mémoire. Monsieur Cournil est tout comme Terrasson un homme pluriel, mais un homme qui n'a eu qu'une trajectoire, celle de l'humanisme. C'est avec la défense de la liberté d'expression chevillée au corps que Lucien Cournil a conduit toute sa vie. Il a décidé très tôt, alors que d'autres choix lui auraient été plus faciles, de lutter, de militer, de s'engager pour faire en sorte que nous tous puissions librement agir et faire, sans avoir à subir de contraintes autres que celles que nous impose le vivre ensemble. Et comme cela ne suffisait pas, il a considéré qu'il devait aussi transmettre. Faire en sorte que sa vie, son expérience, puisse être partagée avec d'autres, pour que demain, nous n'ayons plus à connaître les malheurs auxquels lui-même a dû faire face. Quel était le meilleur terrain de jeu pour cet homme qui aimait discourir que de débattre et partager avec la jeunesse? Il y a consacré toute une partie de sa vie, sans compter et sans rien attendre, d'autre qu'en retour que la satisfaction d'avoir fait germer dans de jeunes esprits les graines du respect, de la tolérance et de la liberté. Je ne vais pas retracer son parcours, car à côté de moi ce soir, ou presque à côté, sa famille nous parlera de l'homme attentionné qu'il était. Ses camarades de la nacre nous évoqueront son engagement et quelques lycéens nous feront part de la richesse de ses témoignages. Tous le décriront bien mieux que moi, mais je tenais, au nom de la ville de Terrasson, à remercier à nouveau Lucien Cournil pour ce qu'il a été pour chacun d'entre nous. Il était pour nous naturel et évident qu'un espace puisse porter son nom, lui être dédié. Celui que nous inaugurons ce soir ne pouvait être meilleur symbole. Cet espace, qui désormais s'appellera Lucien Cournil, rassemble en son sein
des valeurs fortes que sont l'éducation, la liberté, la fraternité et la jeunesse. Elles lui ressemblent et c'est l'occasion pour nous de les lui consacrer. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et merci d'être venus aussi nombreux. Bonjour à tous. 16 ans, c'est l'âge qu'avait Lulu en 1942 quand il a commencé à véritablement entrer dans la résistance. 16 ans, c'est l'âge qu'avaient tous ces lycéens qu'il a connus ou côtoyés, le temps d'un échange, d'une interview, d'une commémoration ou d'une question. Qu'est-ce qu'on ressent à 16 ans quand on rencontre quelqu'un qui a pris part à la guerre avec la même insouciance de la jeunesse au même âge? De l'humilité, du respect, de la reconnaissance. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti quand, à l'époque où j'avais 16 ans, il m'avait dit « Tu sais, vous auriez fait la même chose dans la même situation ». Voilà ce qui le caractérisait et ce pourquoi il se battait. Son éternel espoir dans la jeunesse pour que la mémoire perdure et reste. Alors par cette plaque et votre présence, vous témoignez ici toute votre reconnaissance aux jeunes résistants insouciants, autant qu'aux témoins racontant son histoire passionnément. Alors merci à tous d'être là aujourd'hui, pour lui. Nous sommes heureux de voir que vous êtes venus lui montrer votre amitié, votre respect, votre gratitude ou votre sympathie. Vous qui le connaissiez, vous saviez toute sa joie de vivre, son éternel optimisme, mais malgré tout aussi sa grande pudeur. Néanmoins, il aurait été fier de savoir que la ville et l'ensemble du Terrassonnais lui accordent une place de choix, qui plus est devant ce lycée qu'il affectionnait tant et qui lui aura permis d'échanger avec ces jeunes qu'il appréciait tout autant et qu'il accompagnait jusqu'à la préfecture, où ces deux générations se témoignaient mutuellement tant de reconnaissance. Au nom de toute la famille, je tiens à remercier ici tous ceux qui, de près ou d'un peu plus loin, ont contribué à ce que cette esplanade devienne l'esplanade Lucien Cournil. Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre hommage aux journalistes, aux résistants, à l'homme et à son témoignage, lui qui savait si bien conjuguer avec élégance la sagesse de l'esprit et la passion de la résistance. Merci. Je peux intervenir à plusieurs titres pour honorer Lucien Cournil. La première chose, c'est... Ça marche toujours, oui. C'est l'ANACRE, l'Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants, que Lucien a animé pendant des années et des années et des années, et que j'ai eu la joie et l'honneur d'intégrer cette année. Voilà. Et bon, les comités de Terrasson et de Condat ont fusionné, il y a un nouveau président, et on va essayer de prendre la succession de Lucien, si on peut dire, alors qu'il avait fait un travail énorme, de témoignages, de présence, de discours, de commémoration. Le deuxième élément important, c'est bien sûr le lycée devant lequel on est. J'ai connu Lucien Cournil il y a très longtemps, peut-être presque 30 ans. À une époque où, en tant que professeur d'histoire, j'étais assez sensibilisé justement à la citoyenneté, au devoir de mémoire, à la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on a pris contact, je lui ai demandé de venir et il a absolument accepté avec joie. Et je pense qu'en 30 ans, il est venu une bonne douzaine de fois au lycée. Toujours... comme on disait, avec la bonne humeur, le sourire, le calme. Il arrivait, bon, petit à petit, il se déplaçait un peu plus difficilement, avec sa canne, mais toujours sa serviette, son sourire. Et donc, on l'accueillait devant le lycée, il entrait, on lui offrait un café en salle des professeurs, il discutait avec tout le monde, c'était chaleureux. Et ensuite, on passait dans une classe, et... il disait son expérience, hein, sa conception des valeurs de la République, de son engagement, et aussi, bien sûr, les éléments dont il pouvait disposer par rapport au concours de la résistance que nous préparions, si possible, chaque année. Voilà.
Le concours de la résistance, il y a un sujet annuel qui, une fois sur deux, porte sur la déportation, la résistance. Donc lui, il intervenait surtout pour la résistance, bien sûr. Je veux évoquer par là même beaucoup de personnes qu'on a invitées, qui nous ont fait l'honneur de venir et qui ont, je pense, beaucoup marqué des collègues et moi-même. Je vais évoquer Roger Ranoux, je vais évoquer Roger Hassan, je vais évoquer Ralph Finkler, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui m'avait dit un jour « Je voudrais revenir une dernière fois au lycée de Terrasson ». Je lui dis « Bien sûr, une dernière fois, on ne sait pas, mais oui, avec plaisir ». Et également Antonio Rodriguez, un jeune républicain espagnol qui s'est réfugié en France, qui s'est engagé dans l'armée française, qui a continué à combattre malgré l'armistice, qui s'est fait attraper, qui a été déporté à Mauthausen, comme Roger Hassan d'ailleurs. Et également René Choué, un très jeune résistant comme Lucien, qui s'était fait aussi bêtement attraper à l'âge de 16 ou 17 ans et qui avait été déporté à Mauthausen et qui venait toujours avec une espèce de joie de vivre, un lyrisme qui était très communicatif. Alors tous ces personnages-là, ils ont été très importants, je pense, pour nous. Et de fil en aiguille, on s'est un peu spécialisé, si on peut dire, dans le concours de la résistance, grâce à eux. Et c'est devenu un peu notre spécialité, on va dire. Et on a eu la joie aussi d'avoir pris de nombreux prix départementaux. Et Terrasson, c'est pas non plus n'importe quelle ville pour la résistance. Ça peut marcher aussi. Voilà, à une époque, surtout entre 42 et 44, on était sur l'axe de la 89, on était entre une garnison allemande qui était à Périgueux, une autre à Brive, il y avait des éléments de la milice dont le chef était très proche d'ici, et il y avait aussi des groupes de résistants très importants, FTP, hein, Lucien Sempex avec Roger Ranoux, un groupe aussi du docteur Denoy au Lardin. Donc on est une terre qui a été très importante et pour la résistance et qui a du coup aussi beaucoup souffert. En mars 1944, avec la division Bremer qui a fait une soixantaine de victimes dans la région. Et aussi en juin 1944 avec le passage de la sinistre division blindée Das Reich qui est passée sur la route qui est derrière nous et dont les éléments précurseurs ont fortement malmené la ville. Et Terrasson a failli pendant quelques heures devenir au Radour-sur-Glane aussi, hein, faut bien le dire. Donc tout ça réuni, je pense qu'on est très très sensible à ce qui s'est passé ici. Et on a été d'autant plus content d'avoir l'aide de Lucien qui nous a vraiment aidé, qui nous a apporté pas mal de détails qu'on ignorait. C'est ça qui est important, hein, c'est la mémoire réelle, vive. Lucien était un des derniers résistants, ceux que j'ai cités, malheureusement, ils sont tous disparus, certains il y a peu de temps. Et malheureusement, Lucien, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Donc c'est d'autant plus important. Ça marque un tournant. Voilà, on ne le reverra plus au lycée. Et je suis très content de l'initiative de la mairie qui va rappeler sans cesse, à chaque fois que les élèves passeront ici, la mémoire de ce personnage très chaleureux et pour lesquels on a... qui a beaucoup compté pour nous. Et... si lui était très attaché au devoir de mémoire, notre devoir de mémoire maintenant, c'est envers lui. Merci. Merci à Amélie, au lycée, aux élèves qui peuvent dire un mot, et à tous les professeurs et l'équipe pédagogique qui ont toujours accueilli Lucien avec bonheur.
Alors, Françoise Corellien, la proviseure, j'essaye de motiver les élèves et je les remercie puisqu'elles sont... Elles sont toutes les trois étudiantes, mais elles sont revenues exprès ce soir pour rendre hommage et je ne leur avais pas annoncé qu'elles prendraient le micro, donc je passe devant pour leur ouvrir la marche et je raconte une petite anecdote. La dernière fois que Lucien Cournil est venu dans leur classe, en effet, on était en plein Covid, en plein protocole sanitaire. J'étais particulièrement stressée, mais je le suis assez souvent, sur le port du masque, puisqu'on avait gardé le lycée ouvert. On était un des rares à avoir combattu cette peur. Et on avait tous nos élèves, le lycée était complet. Et là-dessus, je vois arriver Lucien Cournil avec son neveu. Il sortait de l'EHPAD. L'EHPAD qui avait des protocoles aussi d'autant plus stricts que l'épidémie commençait à atteindre une plus grande population. Et j'arrive en salle des professeurs et donc on m'avait dit que Lucien Cournil, donc j'avais bien vu la distance avec les élèves, 2 mètres chacun. Et là, à l'intro-cours, j'arrive en salle des professeurs, la salle était très petite, on était à peu près 60, tout le monde était en train de prendre le café, Lucien Cournil y compris. Et j'arrive très effarée, je dis à Monsieur Durens, mais enfin Monsieur Durens, c'est pas possible. Et Lucien Cournil me dit gentiment, Madame Correia, s'il vous plaît, laissez-moi avec mes professeurs, laissez-moi avec les élèves. Eh bien la vie, si elle doit s'arrêter, s'arrêtera. Laissez-moi, s'il vous plaît, ce petit moment de plaisir. Et là-dessus, face à autant de sagesse et de philosophie, j'ai fait demi-tour, je suis repartie dans mon bureau et je me suis dit, il a sans doute raison, il adore transmettre l'histoire. Pour nos élèves, c'est important, puisqu'on le dit, il n'y a plus beaucoup de résistants, donc on veut continuer à transmettre le devoir de mémoire, et on y arrive. Je vois que tous les professeurs d'histoire sont ici. Parmi eux, ils ont travaillé sur une visite du site de Terrasson, et ils ont fait des expositions au CDI sur les lieux de mémoire du Terrassonnais. Parmi eux, il y a aussi un professeur qui a fait un film. On a parlé de Jean-Louis Dox, et en effet, il y a un film qui est resté, un petit court-métrage qui a été fait. Un professeur ici a fait une chanson aussi. Donc on essaye de travailler dans notre lycée sur le devoir de mémoire. Les hommes partent, mais la mémoire reste. Donc je vais maintenant donner la parole à ces trois jeunes filles qui sont un peu intimidées, mais il n'y a pas de raison de l'être. Donc Valentine et Zoé qui vont raconter comment elles ont accueilli ce monsieur dans leur salle de classe. Elles étaient en terminale, c'était il y a à peu près 3 ans. Valentine d'abord, et merci pour les applaudissements. Bonsoir à tous. Alors, quand nous avons rencontré Monsieur Lucien Cournil, nous étions en classe de terminale avec mes deux camarades. C'était en 2020, donc comme l'a dit Madame Correia, en pleine crise sanitaire. Il a pris le risque de venir nous voir, de nous raconter son témoignage, de nous raconter son histoire. Et à ce moment-là, nous étions en pleine préparation pour le concours national de la résistance avec notre professeur, Monsieur Durens. Nous l'avons rencontré donc en classe, tous ensemble. Et je me rappelle de son témoignage qui nous avait particulièrement marqué. C'était quelque chose d'assez inédit pour nous tous, de rencontrer quelqu'un qui avait vraiment vécu la guerre. Voilà, que dire de plus? Je vais laisser la parole à mes camarades, elles ont aussi d'autres choses à dire, je pense. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Nous souhaitons tout d'abord remercier Lucien Cournil pour le temps qu'il a pris pour venir témoigner devant l'ensemble de notre classe. Et son témoignage nous a été d'une grande aide parce que ça nous permet d'illustrer et de rendre réel tout ce qu'on apprend durant l'année et durant nos cours d'histoire. Et ça nous permet aussi également, pour le concours de la résistance, de donner une image, de transmettre un réel témoignage plutôt que exactement ce que nous apprenons dans les livres et les manuels et en cours. Voilà, je laisse la parole à Zoé. Merci. Bonsoir. Alors moi je voulais juste souligner qu'on a eu la chance de rencontrer un homme prêt à partager, à échanger toujours davantage avec les élèves, prêt à transmettre et qui nous a beaucoup aidé, qui nous a aussi beaucoup nous questionner sur l'époque et sur ce que nous on aurait fait à sa place. Donc voilà, ça a été très enrichissant pour nous ce témoignage.